enfin, après 20 ans, j'ai eu l'occasion de construire mon bateau. Alors, c'est vrai que c'est pas facile parce que chaque fois, on me demande s'il n'est pas à vendre. Alors, j'ai dit non, non, non. Alors, j'ai décidé de faire ce bateau très innovant pour montrer aux gens, parce qu'il y a tout un plan de planning, je dirais, avec ce bateau. Alors, pour l'instant, on est arrivé un peu en retard à ce Dubai Boat Show pour des raisons de cargo. Mais là, aujourd'hui, on est à Dubaï et on en profite pleinement. Il y a du beau soleil. Alors, c'est vraiment l'endroit idéal pour essayer un bateau solaire, pour faire finaliser tous nos tests qu'on avait calculés pendant ces 3 dernières années pour avoir des vrais chiffres au bout. Et en même temps, alors, comme on arrive en retard un peu, le programme des 2 ans à venir a changé un peu. Alors, on retourne en Méditerranée au mois de juin. Et pour aller au Boat Show à Cannes et à Monaco. Et après, en fin d'année, sûrement, on va en Antarctique avec le bateau. Ça, c'est pour montrer un peu le contraire du soleil de Dubaï, pour montrer qu'avec un bateau éco, on peut aussi aller dans des mers froides et dans des endroits froids, et pour en profiter vraiment. Tous les gens qui font l'essai avec un bateau électrique, c'est le silence, il n'y a aucune vibration, il n'y a rien. C'est le rêve. Là, on profite vraiment de la mer. La clim, elle fonctionne tout le temps, 24 heures sur 24. Tout ça sur un parc de batteries qui a ici sur ce bateau plus de 500 kW de batterie et avec ces panneaux solaires qu'on a inventés chez Sunreef qui sont intégrés dans la coque et dans le mât. Je suis plus fier du mât que de la coque parce que c'est beaucoup technologiquement beaucoup plus compliqué. Parce que déjà le mât est en carbone, alors il est le conducteur. Alors il fallait trouver la technologie pour intégrer ces panneaux solaires dans le mât.